Amen. Soyez les bienvenus à l'Église Paris Métropole. On est très heureux et on vous souhaite vraiment, en ce début d'année, une très belle année en Jésus, bien sûr, on le dit toujours, mais c'est tellement indispensable. On peut souhaiter toutes les bonnes choses du monde, mais si Jésus n'est pas l'essentiel, eh bien, c'est des promesses qui, malheureusement, sont très friables. Amen. Prenez quelques instants, sans aller dans toute la salle, mais peut-être pour bénir, souhaiter une bonne année à la personne à côté de vous. On a commencé à le faire tout à l'heure. Certains sont arrivés. Bénissez, vous avez cette capacité d'enfant de Dieu de bénir ceux qui sont autour de vous. Proclamez sur eux une année de grâce, une année des provisions de l'Éternel. Très heureux de voir encore que vous êtes tellement fidèles, l'Église est pleine encore ce matin. Merci pour votre fidélité, merci pour ceux qui nous écoutent aussi sur Internet quand les messages sont enregistrés. Merci à tous pour votre fidélité, votre attachement à l'Église. Quelques annonces, rappelez un petit peu les événements à venir et puis dans quelques instants on ouvrira ensemble la parole de Dieu si vous voulez bien. Nous reprenons mardi nos études bibliques. Nous avions fait une petite pause pendant les fêtes, mais mardi prochain, le 8, on vous donne rendez-vous à 18h30 et le thème qui sera principal de ce mois de janvier sera « Quand la prière l'emporte ». On aura des temps très particuliers. Le pasteur Didier, vous avez parlé aussi d'un temps en fin de mois de janvier, particulièrement sur la guérison divine, sur le miracle du Dieu. On croit que notre Dieu encore a ses réservoirs pleins pour cette année. Amen. Alors on vous donne rendez-vous mardi. Vendredi, c'est la reprise de Ciel ouvert, de notre soirée de prière, d'intercession, de louange, à 19h, ici, dans ce lieu. Je vous rappelle qu'à 23h, on enchaîne avec une nuit de prière jusqu'à 5h du matin. Vous êtes les bienvenus pour passer ce temps dans l'intimité, dans la présence de notre Seigneur. Deux petits rendez-vous pour ceux et celles qui sont des artistes et ceux qui voudraient l'être, qui ont cette âme d'artiste. Le 12 janvier à 14h30, on l'avait déjà annoncé, 14h30 à 17h30, ici, il y aura un atelier de peinture. Si vous êtes peut-être artiste ou désirez peut-être bien redécouvrir cela, on vous donne rendez-vous le 12 janvier. Et puis, le 13 janvier à 15h, ici aussi, eh bien, on vous donne rendez-vous si vous avez à cœur peut-être de servir dans le département artistique, dans tout ce qui est du domaine théâtral, des expressions, etc. On vous donne rendez-vous pour un événement de casting en vue d'un prochain événement d'évangélisation, certainement pour Pâques et puis d'autres. On a à cœur aussi de pouvoir toucher notre génération à travers les arts. Donc, à 15h, pardon, dimanche 13, ici à Bastille, la seule condition, c'est de vous inscrire en envoyant tout simplement un mail à Paul Créa, je ne sais pas si ça s'affiche, le mail, paulcrea@monegliseaparis.fr, paulcrea@monegliseaparis.fr ou sur le Facebook du Paul Créa, vous le trouvez aussi via le Facebook de l'Église. Voilà, merci. Dernière annonce, vous rappelez que notre prochain culte en commun se déroulera le 20 janvier à 10h30 et 13h30 au Théâtre des Jazés. Donc notez déjà que le 20 janvier, il n'y aura pas de culte ici, on sera tous sur le campus de République, 10h30 ou 13h30. On vous rappelle de privilégier toujours le créneau de 13h30 pour avoir plus de place. Merci. Et merci encore pour votre générosité, pour vos dons. Je rappelle qu'il y a un coffre blanc à la sortie à droite pour vos dons, vos offrandes. Je vous rappelle, si vous faites des chèques au nom de l'Église, de bien marquer EEPM ou Église évangélique Paris Métropole, mais ça fait long. Donc mettez EEPM. Et merci vraiment pour votre générosité. À gauche, c'est un tronc en bois, c'est pour les œuvres culturelles et sociales de notre assemblée. On va ensemble dans les Écritures ? Vous voulez bien ? Vous êtes prêts ? On va aller, vous pouvez commencer à y aller, on ne va pas lire tout de suite dans le deuxième livre des Rois au chapitre 20. On va lire dans quelques instants, mais nous sommes en début d'année. Nous sommes là, même maintenant, dans l'aube d'une nouvelle année. Ça fait plusieurs jours, ça y est, que nous sommes en 2019. Et très souvent, je ne sais pas comment vous réagissez quand c'est le début de l'année, quand c'est la fin et le début d'une année, mais souvent, c'est d'un côté la rétrospective de l'année passée. On fait un peu le bilan de ce qui s'est passé, le bon, le moins bon. Et puis, de l'autre côté, ce sont les perspectives futures. Que va-t-il arriver? Qu'allons-nous faire? Que vais-je faire? Comment va être cette année? Et quand on regarde en arrière, eh bien,
prenez quelques instants, ne partez pas très loin en 2018, mais prenez quelques instants pour rappeler qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette dernière année. Peut-être qu'il y a eu des moments de joie ou des moments de peine, ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu des succès, je le crois. Il y a peut-être eu aussi des échecs, cela fait partie de la vie. Il y a eu des prières qui ont été exaucées. Qui a eu des prières exaucées en 2018? Ben, on devrait tous lever la main. Qui attend encore des prières exaucées en 2019? Alors ben, on lève encore la main parce qu'on attend encore que Jésus réponde et on croit dans sa fidélité. Amen. Mais tout cela nous amène devant Dieu avec des sentiments qui peuvent être très variés, très divers. Et si vous deviez mettre, je vous pose la question, si vous deviez mettre un titre à l'année 2018, qu'est-ce que vous mettrez comme titre? Réfléchissez, je ne vais pas interroger quelqu'un, je vous rassure. Mais peut-être quelqu'un dirait, 2018, c'était la provision divine. Quelqu'un peut-être s'est converti à donner sa vie à Jésus, à 2018, pour moi, c'est nouvelle naissance. Mariage, victoire, bébé, mais ce sont des belles choses. Amen. Mais peut-être aussi que 2018, quand vous regardez 2018, vous avez beaucoup de mal à, très sincèrement, à mettre un nom positif, parce que l'année 2018 a été lourde, a été difficile. Peut-être que, vous savez, moi, il y a eu une période dans notre vie avec mon épouse où au début d'une année, le seul mot qui nous venait à l'esprit, c'était « plus jamais ça ». Peut-être que ça vous arrive, quand une année commence, de dire « peut-être c'est juste un soupir, le titre qui sort de votre bouche, parce que tellement l'année a été éprouvante ». Ce sont peut-être déceptions, peut-être un cœur brisé, peut-être un deuil qui est là. Et c'est le seul mot qui sort de votre bouche quand vous commencez la nouvelle année. Et ça, ce sont des choses qui nous amènent dans un certain état d'âme. Et puis, cela nous amène logiquement à entrevoir la nouvelle année avec des perspectives très variées aussi. Souvent, si l'année a été mauvaise, on souhaite qu'elle devienne bonne. Si l'année a été bonne, on souhaite qu'elle demeure bonne et qu'elle le soit encore meilleure. Et cela nous amène à nous projeter et à commencer à planifier un petit peu, organiser comment nous souhaiterions voir cette nouvelle année. On est d'accord? On est d'accord. Et la question que je nous pose ce matin, c'est maintenant que cette année commence, et à la vue de l'année qui est passée, comment allons-nous investir le temps qui nous sera donné? Et c'est là où je vais arriver ce matin, en parlant du temps. À quoi allons-nous consacrer les 360 jours, on va parler en année, les 360 et quelques jours, un peu moins, qui vont s'enchaîner à partir de demain, après-demain, etc. Comment allons-nous investir ce temps? L'apôtre Paul nous encourage dans Éphésiens 5, 16, vous connaissez? Rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça, c'est pas un scoop, nous savons que les jours sont mauvais, mais rachetez le temps, c'est tellement important. Dans la version du Summer, il est dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Dans la version français courant, il est dit, toutes des manières différentes, mais très complémentaires, « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Moi, je me dis que si l'apôtre Paul avait écrit ce verset aujourd'hui, permettez-moi de dire que peut-être plus simplement, il aurait dit « Ne perdez pas votre temps en 2019. Racheter, ça fait très corporel, très joli et tout, c'est très beau. » Mais peut-être qu'il aurait dit tout simplement « Ne perdez pas de temps, parce que les jours sont mauvais. » Et c'est ce que j'aimerais, c'est peut-être le titre ce matin que je pourrais donner, d'un côté dire « Rachetez le temps » et peut-être de l'autre vous dire tout simplement « Ne perdons pas notre temps. » C'est ce que j'aimerais ce matin dévoiler un petit peu à travers cette prédication. Et vous comprendrez que mon désir ce matin n'est pas juste dans le fait de parler de temps, que ce soit juste une bonne résolution que nous prenons et vous encourager, et puis dans quelques jours, on aura tout oublié, et puis on passera à autre chose, on sera découragé, on aura complètement oublié la prédication, le message. Non, ce que j'aimerais vraiment ce matin, c'est que ce soit comme un sceau que vous marquez sur votre vie, dire « Vraiment Seigneur, dans cette année, j'ai la ferme assurance, la décision, ce n'est pas juste une résolution, un souhait, la ferme décision de ne pas perdre mon temps, d'investir mon temps dans quelque chose qui en vaudra la peine. » Amen. Et j'aimerais vraiment que nous soyons proactifs ce matin et que chacun réfléchisse comment il va investir, utiliser le temps que le Seigneur lui accordera. Et je vous dis ça parce qu'il y a un exemple dans l'Écriture qui m'a interpellé d'un homme qui n'a pas su tirer bénéfice du temps que le Seigneur lui donnait. Cet homme, c'était un roi, et on va dans 2 Rois 20 parler du roi Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias? C'était un roi qui était bon, en tout cas
dans le début de sa vie, il a fait des choses, il a retiré les hauts lieux, les idoles. Il avait vraiment un cœur bon pour Dieu, pour Israël. Et on va lire de Rois 20, 1, malheureusement, comme cela arrive à tout homme, peut arriver à tout homme. De Rois 20, verset 1. En ce temps-là, c'est bon, vous avez trouvé. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel : Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alors en apprenant cette nouvelle, c'est comme si Dieu était en train de dire à Ézéchias, écoute, le temps qui t'était imparti est terminé, voilà, j'avais défini comme ça dans mon agenda que ton règne se durerait 14 ans et que il devait avoir à peu près 40 ans. Eh bien c'est là, j'ai décidé que maintenant c'est le temps de passer la main, tu vas quitter ce monde et tu vas passer la main à tes enfants. Et il faut dire qu'en soi, ce n'était pas une mauvaise nouvelle que Dieu était en train de dire à Ézéchias, parce que ce n'était pas la conséquence d'un péché, ce n'était pas une mauvaise action qui allait résulter un décès, d'accord ? Dieu n'était pas en train de dire, puisque tu as péché, puisque tu as fait ceci, cela, maintenant ta vie s'arrête, maintenant je te retire ma grâce. Non, 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 non. C'était simplement le temps que Dieu avait décidé et avait écrit pour cet homme, rien de plus. Mais là, ce qui est, on peut peut-être trouver ça surprenant, mais quand Ézéchias apprend cette nouvelle, il est complètement dévasté. Il ne sait plus du tout, il ne dit pas comme l'apôtre Paul, Christ c'est vivre, mourir c'est un gain. Non, il ne dit pas ça. Il n'est pas du tout dans cette perspective de se remettre à Dieu. Et lui, il est complètement pris au dépourvu. Peut-être espérait-il que son règne dure encore quelques années, qu'il puisse encore peut-être bâtir certains projets, réussir certaines œuvres, peut-être voir encore certains fruits au milieu du peuple d'Israël. Espérait-il cela, peut-être, oui, il avait peut-être le sentiment d'avoir inachevé quelque chose, d'avoir quelque chose d'incomplet. Peut-être aussi, on ne sait pas, peut-être craignait-il, avait une certaine crainte de l'éternité, de la mort. Peut-être que la perspective de la mort était quelque chose qui le faisait redouter, on ne sait pas. Et c'est vrai que, imaginez, alors je ne veux pas être négatif ou faire peur ce matin, hein, mes amis, vraiment, mais si le Seigneur nous faisait une telle annonce, est-ce qu'on réagirait différemment que Ézéchias ? Et c'est souvent ce qui arrive quand vous avez peut-être vu autour de vous, quand quelqu'un, un proche est parti, est décédé, bien souvent ce qu'on entend c'est « Ah, j'aurais tellement aimé faire cela. Oh, il m'a manqué de temps pour ceci. Oh, j'aurais tellement aimé réparer, reconstruire, pardonner, demander pardon. » C'est souvent ce qu'on entend sur un lit de mort. Et même nous, quand nous les vivants, quand nous parlons de quelqu'un qui est parti, on dit « Ah, il est parti trop tôt. » Ah, oh, j'aurais tellement aimé. Oh, il m'a manqué de temps pour. J'aurais dû passer plus de temps avec lui, avec elle. Il y a tellement de regrets. On a toujours l'impression que le temps nous a manqué. C'est souvent ce qui arrive. Hein. On dit rarement, ouais, super. Ouf, c'est bon, il est parti. Non, c'est souvent des regrets. C'est souvent le temps. Et le temps a une place importante parce qu'on trouve, comme Ézéchias, que c'est trop tôt. On trouve que le temps nous a manqué. Et en tout cas, la réaction d'Ézéchias est très forte et elle est surtout très sincère. Parce qu'il dit des choses qui sont vraies, ce qu'il a fait était juste, au point que Dieu ne va pas rester insensible. Et au point que Dieu va faire quelque chose qui nous surprend parfois dans les Écritures. Dieu va revenir sur sa parole. Dieu va revenir sur sa décision et il va lui dire au verset 5, « J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. » C'est tellement bien quand le Seigneur nous dit ça. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alors, c'est extraordinaire. Ézéchias venait d'avoir 14 années de règne et Dieu va doubler. Il va lui rajouter la même quantité, même un peu plus, et lui rajouter 15 nouvelles années pour pouvoir accomplir ce qui peut-être il avait envie. Finalement, qu'est-ce qu'il voulait tant, ce roi, pour avoir 15 années de plus? Et on peut se dire, mais finalement, et le Seigneur le savait, mais que va faire Ézéchias avec ses 15 années? Va-t-il être un bon administrateur?
va-t-il permettre réellement de pouvoir terminer, d'accomplir, de porter encore plus de fruits, de rendre encore plus magnifique la renommée d'Israël et de rendre encore plus beau, belle sa royauté? Malheureusement, les Écritures nous montrent, on va le lire, que Ézéchias va agir, va vivre avec beaucoup trop peut-être d'indépendance et de confiance en lui seul, au point de perdre, si je puis dire, la raison, et de faire une faute grave, qui peut paraître insignifiante, mais qui aura des lourdes conséquences. Au verset 12, je continue. Donc Ézéchias est guéri, cette fois c'est bon. Et il dit, en ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Jusque-là, rien de bien méchant. Ézéchias donna audience aux envoyés, jusque-là ça va, et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Là, on se dit, oula, Ézéchias, c'était peut-être un petit peu trop généreux. T'as peut-être ouvert un peu trop grand les portes. Et c'est vrai qu'à cette époque, Babylone n'était pas encore la grande puissance, le grand adversaire, si je puis dire, qu'Israël redoutait, mais restait quand même un peuple étranger. Ce n'était pas Israël, ce n'était pas une tribu d'Israël qui se présentait devant le roi, c'était Babylone, un peuple étranger, donc potentiellement ennemi. Ézéchias, qui voulait sans doute faire bonne impression devant ces représentants-là, eh bien montre l'étendue, non pas de la grandeur de Dieu, mais de sa grandeur à lui, de ses trésors, de son royaume. Et Dieu n'est même plus mentionné. La provision, Ézéchias ne fait même pas mention que ce qu'il est en train de vivre est une grâce que Dieu lui a accordée sur sa vie. C'est comme si c'était un acquis, et il montre et il dévoile toutes les richesses de son royaume. Mais ce que Ézéchias est en train de faire, il ne s'en rend pas compte, il est en train de dessiner le croquis, le plan de conquête de ses futurs ennemis. Il est en train de leur dire, voilà, bientôt ici ce sera vos appartements, ici ce sera vos objets précieux. Imaginez quelqu'un frappe à votre porte, vous ne le connaissez pas du tout, et puis il a peut-être une allure un petit peu bizarre, mais vous, très naïf, très chrétien, très bon chrétien, il faut l'accueillir dans notre maison, il faut lui montrer ceci, cela, et vous lui montrez vos pièces, vous lui montrez, regarde ma nouvelle télé, regarde mes beaux bijoux, etc. Et puis le lendemain, vous apprenez que votre maison a été cambriolée. Ben, on a envie de vous dire, ben, en même temps, tu l'as cherché. En même temps, mais c'est exactement ce que fait Ézéchias. C'est pure folie pour un roi de montrer l'intimité de son royaume. Il est dit qu'il va montrer son arsenal, mais aucun chef d'armée ne dirait, voilà, nous avons 100 chars, nous avons tel ou tel ennemi. Enfin, des fois, ça arrive parce que les chefs d'État invitent des chefs d'État étrangers, et c'est un peu bizarre, mais bon. Mais normalement, on ne fait pas ça. On n'invite pas un potentiel adversaire à venir et faire l'état des lieux de ce qui pourrait un jour lui revenir. Ézéchias aurait plutôt dû prendre ce temps pour louer, pour glorifier, pour exalter la grandeur et la puissance de son Dieu, pas besoin d'aller montrer tous ses trésors et d'étaler cette richesse qui finalement est éphémère. Et Dieu va en conséquence annoncer un verdict et accomplira le plan qui n'était pas préparé. Dieu n'avait pas planifié cela pour son peuple. Dieu n'avait pas le désir de faire cela. Mais c'est comme si le roi avait prophétisé ce qui allait arriver dans son avenir. Et Dieu va lui donner cette parole au verset 17. « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. » Mince. « Et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. » Vous vous rendez compte ? En un instant, tout ce qui a été amassé, tout ce qui a été gagné, tout ce qui a été récolté jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Waouh ! Tout simplement à cause d'une mégarde, à cause d'un excès de zèle, un excès de patriotisme d'Ézéchias, il va perdre tout l'héritage que ses ancêtres avaient amassé jusque-là. Et c'est vrai qu'Ézéchias, Dieu a honoré sa parole, Ézéchias va rester en paix tout le long des 15 années qui vont suivre. Il n'aura pas de guerre, et même lui, il va faire cette remarque, il va dire « Ah, ouf, je suis en paix pendant les 15 années qui va suivre », mais il ne verra pas ce qui va se passer après. Et conformément à la parole de Dieu, dès l'arrivée de son fils Manassé sur le trône, les choses ne vont plus du tout être pareilles. Et Israël va connaître peut-être les pires temps qu'ils ont connus. Vous savez que Manassé était sans doute le pire roi d'Israël.
Il suffit de lire quelques versets plus tard, il va sacrifier ses fils en holocauste. Mais quelle abomination, quelle horreur et quel paradoxe avec ce roi Ézéchias qui avait tant bien que mal, mais qui avait fait ce que la Bible nous dit, ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Mais parce que Ézéchias a mal géré son temps, vous vous rendez compte ? Il a mal géré ces 15 années que Dieu lui avait accordées, parce qu'il a été imprudent, parce qu'il n'a pas été un bon administrateur de ces années. Eh bien, les conséquences ont été dramatiques pour l'avenir d'Israël. Alors, où est-ce que je veux en venir ce matin ? Et j'en viens à nous, d'abord. Parce que oui, je pense qu'on est d'accord, le Seigneur nous accorde, si je puis dire, une nouvelle année. Je ne dirai pas que c'est la dernière, hein, d'accord ? Je ne proclamerai pas ça sur vous, mais Dieu nous accorde une nouvelle année. De la même manière qu'une année s'est terminée, et Dieu nous fait grâce de pouvoir entrer dans une nouvelle. Et j'aimerais ce matin nous encourager et vous encourager à surtout ne pas perdre votre temps. Et surtout ne pas faire la même erreur qu'Ézéchias, de perdre le temps que Dieu nous accorde, un temps si précieux. Alors de quelle manière est-ce qu'on peut perdre son temps ? Permettez-moi quelques instants de mettre un petit peu comme ça, d'étaler et de nous amener à réfléchir. Mais comment est-ce qu'on peut perdre notre temps ? Parfois même inconsciemment, parfois, excusez-moi l'expression, un peu bêtement, sans même le vouloir. On peut se retrouver dans des situations où plus tard on va dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu du temps ?» On peut perdre des forces et du temps dans des batailles qui pourraient s'avérer inutiles ou alors hors de notre portée. Parfois, on s'engage dans des batailles. On croit que là, ça y est, on est devant une armée, etc. On engage tellement d'énergie, tellement de force, de méthodologie. On met en place une stratégie. On se fatigue de toutes nos forces. Alors que Dieu, lui, il attend tout simplement le moment où on va lâcher les armes pour que lui puisse combattre pour nous. Parfois, on est là, on se donne des défis spirituels, on se dit « Cette année, je vais jeûner 4 fois par mois, je vais faire telle ou telle prière, je vais lire toute ma Bible en un mois », des choses démesurées parfois, des choses peut-être exagérées. Je ne dis pas qu'en soi, c'est des mauvaises choses, mais parfois, on se donne des défis, des combats, des batailles, des choses tellement fortes. Et finalement, la réalité, c'est qu'on n'est pas réellement capable d'endurer ces batailles. On n'est pas capable de supporter cette charge spirituelle. On n'est pas capable de prendre tout ce temps-là qu'on a pris. On dit « Oui, mais je me suis engagé à faire ça devant Dieu, etc. Si je ne le fais pas, ce n'est pas bon. » Mais parfois, on va dans des batailles tellement et plus fortes que nos capacités que finalement, on affaiblit même notre foi. On pensait sortir encore plus fort, encore plus établi, mais on est allé sur un terrain que Dieu ne nous avait pas mandaté. On est parti seul alors qu'on aurait dû attendre que l'Éternel marche devant nous. Et on se met à aller dans des conquêtes spirituelles, quel que soit le domaine, d'accord ? Vous pouvez trouver facilement, que ce soit dans votre vie, dans des promesses que vous attendez, dans une situation professionnelle que vous espérez, où vous êtes là, combattant, vous croyez, mais on est parti précipitamment. Et on n'a pas bien géré ce temps, au point qu'on est affaibli, au point que l'année se termine, et on a l'impression qu'on a même régressé dans notre foi, tellement on était fatigué. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça, c'est perdre son temps. Nous pouvons perdre notre temps. Je vais m'arrêter quelques instants parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé cette semaine et périodiquement dans ma vie. Nous pouvons perdre notre temps et égarer nos pensées dans des réflexions, dans des débats théologiques qui nous détourneraient de la vérité. Et ça, c'est un truc, si vous parlez avec moi, vous allez vite voir que c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Parce que, et c'est vrai dans tous les temps, il y a toujours eu des débats, des réflexions. On a toujours voulu discuter de ce qui était écrit. Vous savez, déjà, les disciples, ils discutaient entre eux de savoir qui était le plus grand. Au lieu de discuter avec Jésus, « Montre-nous comment tu es grand, Seigneur, parle-nous de toi. » Ils discutaient, ils perdaient leur temps à savoir qui était le plus grand d'entre eux. Jésus, heureusement, il est sympa, il leur explique et il leur dit « Celui qui est le plus petit sera le plus grand. » Mais quelle perte de temps, déjà à cette époque. L'apôtre Paul nous parle de ces chrétiens qui discutaient et au point qu'il va même l'écrire dans une lettre. Certains chrétiens disaient « Moi, je suis de Apollos. Moi, je suis de Paul. » Et certainement que ça devait faire de vives discussions au point que l'apôtre Paul est obligé de dire « Bon, maintenant, ça suffit. Vous n'êtes pas de Paul, d'Apollos. Vous êtes de Jésus-Christ. » Et il est obligé de faire taire ce débat. Et les gens s'éloignaient de l'essentiel, de Christ, de Jésus, de leur Sauveur. Dans toutes les générations,
Il y a toujours eu, et peut-être vous l'avez vécu, moi j'ai vécu souvent ça, il y a toujours eu beaucoup de divergences d'opinions concernant le retour de Jésus. Vous savez, on a entendu par rapport au moment de Jésus-Christ, son retour, la date et l'heure, etc. Alors que la Bible est claire par rapport à ça. Et puis il y a l'histoire de la grande tribulation, et les chrétiens vivront-ils, ne vivront-ils pas la grande tribulation? On a tous entendu ces discours, le règne de l'Antichrist, est-ce que le règne de l'Antichrist c'est lui? Et puis on commence à étudier, c'est peut-être ce président, et c'est peut-être lui, c'est peut-être le pape, et c'est peut-être un tel, et tel, un tel. Et on perd du temps à aller chercher des choses là, alors que, vous savez, l'Apocalypse, que c'est? La révélation de Jésus-Christ. Et parfois, on a perdu du temps. Moi, j'ai perdu des heures dans des repas où les gens parlaient, oui, ceci est le retour de Jésus, etc., etc., et il va revenir. Et à la fin du repas, moi, j'avais envie de dire, Seigneur, viens, c'est tout. Parce que c'était tellement fatigant, c'est vrai, hein, d'entendre, et puis les gens se disputent, etc. On a entendu toutes sortes de choses. Il y a quelques années, et puis il y avait eu des films qui étaient sortis aussi, on parlait du mariage de Jésus. Oui, peut-être Jésus s'est marié avec peut-être Marie-Madeleine. Alors ça veut dire que Jésus a eu des enfants. Ah, et s'il a eu des enfants, il a une descendance. Et peut-être qu'il y a des descendants de Jésus parmi nous. Et on commence à réfléchir, à étudier, etc., etc. Alors que la Bible ne nous a jamais parlé de ça. Alors que c'est faux, tout simplement. Et on perd notre temps sur des choses comme ça. Dernièrement, je vais vous faire rire, mais j'espère que je vais pas interpeller quelqu'un qui s'était mis à chercher ça. Mais dernièrement, je lisais que des personnes sur Internet, et puis dans une discussion, j'ai eu le même discours, accrochez-vous bien, hein, qu'apparemment la Terre ne serait pas ronde. Quelqu'un a entendu ça? Et vous savez ce que la théorie, sur quoi cette théorie est basée? C'est là que ça m'interpelle et que ça me fait un peu peur, et que je me dis attention parce que c'est aussi très vicieux, très malin. C'est qu'apparemment, c'est écrit dans un livre de la Bible. Alors je dis d'accord, mais quel livre? Et là, il est dit que c'est dans le livre d'Enoch. Là, vous commencez à cogiter, j'espère. Enoch, tiens, je regarde Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, mais mince, c'est pas dans ma Bible. Non, c'est pas dans la Bible, parce que Enoch, c'est un livre apocryphe. Donc, il est dans certaines Bibles, la Bible de Jérusalem, dans la Bible des catholiques, bien certainement, peut-être dans d'autres Bibles, mais c'est un livre. Si vous étudiez, si vous cherchez très rapidement, mais très simplement, vous vous rendrez compte que c'est un livre qui n'a jamais été retenu, qui n'a jamais été reconnu comme fiable, qui n'a jamais été reconnu comme la parole véritable de Dieu, retenu dans ce qu'on appelle les canons, dans les 66 livres de la Bible. Il y avait trop d'inexactitudes, il y avait trop d'incohérences qui a fait que ce qu'on appelle les pères de l'Église ont refusé que ce livre soit rajouté dans les canons bibliques. Mais si on n'est pas suffisamment affermi dans la parole de Dieu, on pourrait commencer à se dire, oui, mais pourquoi on n'a pas ajouté ce livre dans la Bible? Pourquoi est-ce que finalement, ça ne serait pas plus vrai que ceci? Et on commence à triturer un petit peu nos pensées, notre esprit, dire, oui, mais finalement, pourquoi on a ajouté le livre d'Esther dans la Bible alors qu'Esther, il n'y a pas de mention de Dieu à l'intérieur? Et pourquoi on n'ajouterait pas le livre d'Enoch, etc.? Ben, je vous encourage à aller faire les cours avec M. Boulagnon le dimanche après-midi, il vous expliquera tout en détail. Pourquoi? Mais voyez-vous comment parfois c'est subtil? Parce que le vrai problème, c'est qu'avec toutes ces pensées qui foisonnent autour de nous, ces doctrines, ces habitudes, j'ai entendu dernièrement, désolé, je vous le dis, mais que, et je sais, M. Boulagnon nous l'avait dit une fois aussi, que certains ne veulent plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il faut baptiser qu'au nom de Jésus. Mais alors que Jésus, à la dite fête des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et oui, c'est vrai, il y a une référence, l'apôtre Paul disait qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais en aucun cas, il s'agit d'une doctrine. Et les gens commencent à remettre en question, et puis finalement, on ne chante plus « Oui, je crois en Dieu notre Père », parce qu'on n'est plus d'accord. Et on perd notre temps, et on se laisse influencer par des choses qui nous détournent. Qui nous détournent surtout si nous ne sommes pas véritablement établis dans la vérité. Si nous passons notre temps, et si nous perdons notre temps, véritablement, je vais vous dire quelque chose. Perdre son temps, c'est une chose. Mais en perdant votre temps, vous risquez pire encore, c'est de vous perdre complètement. De nous perdre complètement. Ça, c'est le risque majeur. Sur des idées, et les idées n'arrêteront pas. La Bible nous dit qu'il se lèvera toujours des faux Christ. Il y aura toujours des nouvelles théories, il y aura toujours des nouvelles personnes. Et si nous ne sommes pas enracinés, et si nous ne cherchons pas, si nous ne sommes pas fermement décidés à prendre le temps là où il faut, on pourra vite se laisser déstabiliser parce que les temps sont mauvais, parce que Jésus revient bientôt. Amen.
Autre point, ne perdons pas notre temps. Ah, je vais peut-être vous titiller ce matin, je suis désolé. Hein. Ne perdons pas notre temps à vouloir que les gens autour de nous changent. Et parfois, on passe beaucoup de temps à donner des conseils. On passe beaucoup de temps à encourager, à exhorter. Mais c'est la Bible qui nous le dit, frère. Oui, c'est vrai. Bon. Mais parfois, le premier temps qu'on devrait prendre, c'est pour nous. Le premier temps qu'on devrait investir pour donner des conseils, c'est à nous-mêmes. C'est avant, vous savez, hein, c'est Jésus qui l'a dit, hein, avant d'aller chercher la paille dans l'œil de notre frère, on devrait prendre et investir du temps pour regarder si on n'a pas une poutre qui nous fait voir une paille dans l'œil de notre frère. On devrait, frères et sœurs, vraiment, et je le dis aussi très sérieusement, prendre ce temps pour nous. Parce que oui, on a tous besoin de changer, on a tous besoin, et on verra toujours des choses autour de nous qui n'iront pas. On verra toujours des attitudes, bien sûr, et nous, en tant que pasteurs, en tant que responsables d'église, on doit aussi veiller à ce que la vérité, à ce que ce qui est proclamé, ce qui est vécu dans l'église soit conforme à la sainteté, à la parole de Dieu, bien sûr. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Et si nous devons investir, et je le dis pour moi aussi, si on doit prendre du temps cette année, si je dois dire « Seigneur, donne-moi du temps », c'est pas « donne-moi du temps, Seigneur, pour voir ce qu'il y a autour de moi », mais « donne-moi du temps, Seigneur, pour examiner mon cœur ». Donne-moi du temps pour voir, Seigneur, si je n'ai pas des choses à corriger en moi. Autre point, ne perdons pas du temps, peut-être plus simplement dans des projets, dans des rêves, mais dont Dieu ne serait pas l'initiateur, et qui pourraient même avorter, qui pourraient devenir des échecs. Et c'est vrai que c'est tout naturel. La Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, c'est vrai. On a tout naturellement, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, on a facilement dans nos cœurs des rêves, des envies, des désirs. Parfois c'est, tiens, cette année j'aimerais voyager, cette année j'aimerais peut-être réussir un projet professionnel, j'aimerais me lancer un défi, peut-être je vais quitter mon travail et créer mon entreprise, j'aimerais avec mon épouse, on irait avoir des enfants, on a des projets, des rêves, etc. Toutes sortes de choses qui ne sont pas mauvaises. Et on commence à écrire, à planifier, à calculer, mais on peut risquer aussi de gaspiller notre temps précieux si Dieu n'est pas aux commandes, si Dieu n'est pas l'initiateur, si Dieu n'est pas l'impulseur, si je puis dire, de ses rêves, de ses projets. Et le comble, c'est qu'au final, on pourrait même reprocher à Dieu nos échecs. « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu n'étais pas là dans ce projet? C'était un projet qui venait de toi. » Non. Non, tu l'as rêvé tout seul. J'avais pas planifié. Ou c'était peut-être pas le temps. Des fois, on est prématuré dans ce qu'on veut de l'accomplissement des promesses de Dieu, alors que Dieu n'avait pas encore prévu. Peut-être que c'était une parole de Dieu, mais ce n'était pas le temps. Et là, encore une fois, cela affecte notre foi, affecte notre marche. Parce qu'on est allé dans des projets qui n'étaient pas conduits par Dieu. Et je vais bientôt terminer. Nicolas, tu peux venir. Mes amis, vraiment, j'aimerais que nous soyons tous convaincus ce matin que le temps que Dieu nous accorde est précieux. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est précieux et il est limité. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans la perspective de l'éternité. Nous vivons déjà avec, on dit, les pieds sur terre et la tête dans le ciel avec Jésus. Mais on ne peut pas seulement dire, oh, de toute façon, on a l'éternité. Non, sur terre, Dieu nous donne... Quand Dieu a donné des talents, dans la parabole, il a été donné des talents, c'était dans un temps qui était fixé. Et quand le maître est revenu, eh bien, il a fallu rendre compte de ses talents. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prendre au sérieux le temps qui nous est donné dans l'année qui vient, le temps qui est devant nous. Nous ne savons pas, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, la Bible nous dit. Dieu sait déjà toutes choses, il sait déjà le temps de son retour, il sait le temps de l'accomplissement des choses. Nous n'avons pas la maîtrise de ces choses. Et raison de plus, parce que nous n'avons pas la maîtrise, nous devons agir avec beaucoup d'humilité, de sagesse, et dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, vraiment, je ne veux pas perdre mon temps. Ne prenez pas, mes amis, des résolutions irréfléchies, des souhaits impossibles à accomplir qui vont vous fatiguer, qui vont vous exténuer, qui vous feraient même douter de Christ, qui vous ferait perdre un temps précieux. Alors qu'aussi, n'oublions pas, le temps que le Seigneur nous donne doit être investi pour ceux qui sont autour de nous et ceux qui attendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ne perdons pas notre temps. Prenons le temps, et j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps ce matin. Prenez le temps de la réflexion. Posez-vous, prenez le temps dans les jours qui viennent. N'avancez pas trop vite dans l'année. Posez-vous devant Dieu.
Posez-vous devant votre maître, votre Seigneur, et établissez avec lui et avec l'assistance de son Saint-Esprit votre agenda pour 2019. Ne commencez pas à écrire, n'allez pas trop loin dans les mois qui sur votre calendrier. Arrêtez-vous, posez votre stylo, posez votre tablette et priez. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Et faites comme le psalmiste, il va le dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi pour cette nouvelle année sur la voie de l'éternité. Amen. C'est le psaume 139, 23. Et il dit encore, psaume 90, 12, on connaît. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-moi à bien compter chaque jour, là. Lundi, mardi, mercredi, etc. Janvier, février, mars. Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes mois, mes jours, mes semaines, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Soyons attentionnés dans ce que nous allons faire avec cette année. Laissez-moi vous dire que, par contre, il y a un lieu où vous ne perdrez jamais votre temps. C'est dans le secret de votre chambre et dans la présence de Dieu. Ne croyez jamais passer trop de temps dans la présence de Dieu. Et par là, je ne parle pas de mysticisme ou d'exagération spirituelle, mais l'intimité que vous avez, le cœur que vous pouvez avoir, le cœur à cœur que vous pouvez avoir avec Dieu, ne sera jamais du temps perdu. Ne dites jamais, oh là là, là là, là là, je prie trop en ce moment, ça ne va pas, je passe trop de temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas du temps que vous perdez, c'est du temps que vous investissez. Même s'il ne vous restera qu'une heure, cette heure vous servira vraiment pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne manquera jamais du temps, il ne manquera jamais du temps à ceux qui savent se confier en celui qui est le maître du temps. Amen. Alors mes amis, je le dis une dernière fois, je nous le dis, ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas du temps. Rachetons le temps, car les temps sont mauvais. Et vous savez que plus le temps passe, et plus le temps diminue. Et si on devrait reprêcher le temps l'année prochaine, ce message l'année prochaine, je vous dirai encore plus, ne perdez pas votre temps. Parce que les temps sont mauvais, notre Seigneur revient bientôt. Alors soyons véritablement de bons administrateurs. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour prier ce matin, qu'on puisse se tenir devant le Seigneur. Je ne vais pas faire d'appel particulier, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse tous, peut-être on peut se lever ensemble. Et j'aimerais vraiment que toutes et tous, toi en tant que père de famille, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant que jeune adulte, en tant qu'étudiant, en tant qu'adolescent, je ne sais pas comment tu peux te qualifier ce matin, mais j'aimerais vraiment que tu puisses te positionner devant le Seigneur. Et comme si spirituellement, tu lui remettais ton agenda. Tu posais ton agenda devant toi et tu disais au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas être comme Ézéchias, à qui tu as donné plus et qui a gaspillé ce précieux temps. Je veux être un bon administrateur du royaume. Je veux être un bon intendant. Je veux être efficace dans le temps que tu me donnes ce matin. » Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que vous commencez à élever vos voix? Commencez à répandre votre cœur devant le Seigneur. Commencez à lui dire, Seigneur, peut-être que demain, j'ai déjà perdu du temps. Peut-être que le résumé de l'année 2018 était la perte du temps. Mais le Seigneur vous fera racheter ce temps aussi pour l'année qui vient. Ne regardez plus en arrière. Mettez de côté maintenant, ne triturez pas votre esprit avec 2018. Mais regardez maintenant ce qui est devant vous. Et commencez à déclarer ce que vous voulez de cette année. Commencez à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur cette année. Commencez à déclarer, à invoquer la royauté de Jésus-Christ sur cette année. Commencez à dire, Seigneur, mes projets deviendront tes projets, Seigneur. Mes rêves deviendront tes rêves, Seigneur Jésus. Mes promesses deviendront tes promesses, Seigneur. Je crois, Seigneur Jésus, que tu marches devant moi. Seigneur, je veux déclarer sur ma vie, Seigneur, une année, Seigneur Jésus, pleinement établie. Une année pleinement et bien, Seigneur, administrée. Seigneur, je veux croire, Seigneur Jésus, que tu es devant moi. Seigneur, et je veux, Seigneur, que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, le savoir, la connaissance pour ne pas perdre mon temps cette année. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous dissiper à gauche, à droite, dans des débats, dans des théologies, dans des combats, dans des projets qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Mais garde-nous d'avoir les yeux fixés sur toi, de marcher derrière toi, de marcher avec toi, de marcher à ta suite. Seigneur Jésus, si toi, Seigneur, tu nous amènes, Seigneur, à un endroit, nous croyons, Seigneur, que c'est parce que c'est le bon temps. Seigneur, nous ne voulons pas aller dans un lieu, Seigneur, où tu ne nous as pas appelés, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, et déclarer, Seigneur, que nous ne perdrons pas notre temps dans cette année, Seigneur, parce que tu marches devant nous. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
Merci. Est-ce qu'on peut dire un merci au Seigneur, une action de grâce, parce qu'il va pourvoir à tout, parce que nous pouvons être confiants ce matin, parce que tu peux être rassuré ce matin, que le bon berger marchera devant toi, parce qu'il ouvrira la mer pour toi, parce qu'il ouvrira dans le désert un chemin, parce qu'il marchera chaque jour devant toi, parce que lui fera tomber Jéricho devant toi, parce que lui t'amènera dans la victoire, parce que lui est le maître du temps. Lui, pour lui un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Lui fait les choses et il fera les choses à merveille. Merci Seigneur. Alléluia Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia Jésus. Amen. On peut terminer avec un chant en louant Jésus ensemble. Alléluia. Gloire.